Incendié depuis septembre 2017, le grand marché de la commune d'Abobo sera bientôt reconstruit avec une capacité de 4500 places. Le démarrage des travaux est prévu pour le 3 juin prochain. On va passer à la phase active, c'est-à-dire à la reconstruction du marché. Donc, comme ce sont des commerçants, qu'ils prennent déjà des précautions pour ne pas que, à la veille, on ait des problèmes. Les commerçants qui occupent le site sont conscients du développement que ce marché apportera à la commune. Toutefois, ils souhaitent le report de la date du démarrage des travaux. Si la première magistrate, la présidente du Sénat, Mme Kandia Camara, a lancé les hostilités que nous avons entendues, l'écho hier, ce n'est que de bon augure. Mais comme le maman le dit bien, il va falloir attendre que la fête de Tabaski passe. Toutes les femmes d'Abobo se joignent à moi pour demander pardon, pour nous laisser jusqu'à fin juin. Fin juin, on va quitter le marché fin juin. On n'a qu'à nous laisser vendre pour le mois de la Tabaski. Parce que nous ne sommes pas prêts. On ne peut pas venir tomber sur nous et puis nous allons partir. Vu ce mécontentement de la population, le président des commerçants de la commune appelle ses collaborateurs au calme et leur demande de respecter la date fixée au 3 juin. Ça a été dit que ceux qui ne viennent pas sur les sites ne devaient pas avoir place au nouveau marché. Ça, ce n'est pas vrai. Si tu as la possibilité d'aller prendre des magasins à l'intérieur, il faut aller prendre tes magasins à l'intérieur. Notons que 3 sites de 5150 places ont été réservés depuis 2022 pour recaser les 4700 commerçants du grand marché d'Abobo, recensés par les fêtières et la municipalité.